Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Les forces de police et de gendarmerie étaient déployées aujourd'hui sur les routes du département d'Eure-et-Loir pour réaliser des contrôles routiers. À la veille du 31 décembre, l'État entend montrer sa présence et alerter les Français au bon respect du couvre-feu. Je vous propose de regarder ce reportage en images. Votre motif de déplacement, madame ? Je rentre du travail. Vous rentrez du travail ? Vous avez l'attestation ? Ah oui. Les automobilistes étaient nombreux en cette veille du 31 décembre à devoir justifier la raison de leur présence sur les routes après 20h, début du couvre-feu. Des contrôles que ces Euréliens acceptent et comprennent l'utilité. Mais j'ai rien contre, hein. Bien au contraire. Si c'est quelque chose de bien pour vous. Ah bah oui, quand même, parce que si, voilà, si tout le monde fait les choses comme il faut, bah ça va vite s'arrêter. Bah c'est normal, je trouve, s'il y a des règles à respecter, il faut contrôler que tout le monde respecte. Alors, on constate un respect de ces mesures, une compréhension également de leur bien fondé. En Eure-et-Loir, depuis les débuts de la mise en œuvre de ces mesures, on note à peine plus de 100 verbalisations, et compte tenu du dispositif important de contrôle qui a été mis en place, cela témoigne à mon sens d'une compréhension et donc d'un respect assez large de la part des Euréliens de ce type de mesures dont il faut se féliciter. La préfecture prévient, le dispositif mis en place le 31 décembre sera massif. Non seulement sur les routes, à des endroits stratégiques du département, mais aussi pour sanctionner toutes les fêtes clandestines qui seraient organisées. Alors il est un peu plus de 21h ici, et nous sommes à Morancé. Globalement, le couvre-feu très bien respecté, très peu de passages dans cette rue principale. Et les quelques voitures ici arrêtées étaient munies, les automobilistes étaient munis de cette attestation de justification de déplacement dérogatoire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Eure-et-Loir est aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt.